Lens et Marseille, au départ, étaient favorites pour le titre. Alors, cette fois, on retrouve Lens en bonne position, Marseille qui remonte au classement. Ça va donner du beau jeu, du spectacle. Et il y a vraiment une saveur particulière parce que Roland Courbis, maintenant, il est à Lens. Il n'a plus les couleurs de Marseille, mais il veut montrer qu'il est le patron ici. Et comme il s'est bien intégré, il va vouloir donc obtenir cette victoire qui permettra de remonter dans les trois premiers du classement. Voilà. De l'autre côté, il y a Javier Clemente qui a réussi son entrée à Marseille en gagnant contre Saint-Étienne. Maintenant, reste à savoir si ça va fonctionner, c'est tout. Clemente. Il peut être responsable de la victoire de Marseille contre Saint-Étienne, pas plus qu'il ne pourrait être responsable d'une défaite à Lens s'il y a défaite à Lens. Me dijeron, antes de venir, que estaba muy mal. A mí en el partido el día de Saint-Étienne me pareció un equipo mentalmente bastante fuerte. Maintenant, ce qui m'intéresse, sur un plan sportif et sur un plan affectif et sur un plan professionnel, c'est que Lens gagne. Il est beaucoup plus difficile de réussir à Marseille qu'ailleurs. Mmh.